Salut tout le monde, c'est Mister Genesis. Donc aujourd'hui on se retrouve sur un jeu différent, donc un jeu totalement différent des jeux de stratégie que j'ai l'habitude de présenter. Donc là on se retrouve sur GTA V tout simplement, hein. Un jeu, ma foi, qu'on peut qualifier d'exceptionnel. Donc on se retrouve pour une nouvelle série sur GTA V. Série qui sera axée sur un mode RP, très RP d'ailleurs, que j'apprécie beaucoup. C'est le mode LSPDFR, donc le mode où on peut incarner en fait un policier. D'ailleurs, cette policière est buggée. Ok. Peut-être une policière en civil. Enfin bon. Où on incarne un policier. Donc l'objectif concret de ce mode, c'est d'arrêter les méchants. Tout simplement. Donc là, on se retrouve dans le commissariat le plus travaillé d'ailleurs de GTA V. Donc en fait, là, on va aller changer, tout simplement. Donc LSPDFR, qu'est-ce que ça veut dire? LSPDFR, ça veut dire Los Santos Police Department, et FR, ça veut dire First Response. Donc là, on peut choisir le personnage. Le personnage, alors il y a différents personnages, hein. Il y a la police de la ville, donc LSPD, la police des campagnes, enfin des campagnes, des grandes étendues de GTA V hors ville. Ça c'est la police, c'est les shérifs, je crois, c'est ça. C'est San Andreas, police, je sais plus quoi. Donc c'est le nord de la carte, ça. Là c'est la police de l'autoroute. À noter à chaque fois qu'on peut les personnaliser, hein. Enfin, selon ce qui est disponible dans le jeu de base. Là on a la police des prisons, enfin les gardiens quoi, ceux qui transportent. Ça c'est la SU, c'est les pilotes d'hélicoptère, enfin, c'est ça. C'est tout ce qui est pilote d'hélicoptère et support aérien. Donc là le NOOS c'est l'équivalent de la BRI française ou du GIGN, tout simplement. Le FBI, la EAA, alors ça je sais plus du tout quel est l'équivalent français, je crois que c'est les renseignements ou peut-être les stups, la DOA, et ça c'est la police de Northampton, donc c'est la police du début du jeu en fait. À savoir que pour certains on peut choisir d'avoir un personnage féminin ou pas, et pour d'autres c'est pas disponible. Donc nous on va rester sur LSPD. Donc la police de la ville. Donc on peut choisir différentes têtes. On peut aussi choisir les habits. Enfin, dans la limite de ce qui est disponible dans le jeu, en fait, tout simplement. Ça c'est. Ok, on prend pas des signes. Et est-ce qu'on lui met des lunettes? Allez, on va lui mettre des lunettes. Est-ce qu'on lui met les lunettes? Allez, on prend les lunettes et le chapeau. Allez. Alors, faut savoir aussi qu'avec LSPDFR, il y a beaucoup de plugins qui sont développés pour le jeu. Alors, est-ce qu'ils ont tous, voilà. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai beaucoup de plugins. Tout sera dans la description, hein. Je vous montrerai quelques-uns. Donc là, tout simplement. On va faire une petite visite du tout simplement du poste de police. Donc là on a l'entrée, hein, tout simplement. Ici on a le bureau du capitaine. Ensuite là c'est on peut récupérer. Alors je crois qu'ici on peut récupérer du. Voilà. Je crois fait partie d'un plugin. On peut récupérer des munitions et des armes. Je crois que c'est ça. Ouais, j'ai récupéré des munitions. Oui, donc de base, on part avec un fusil à pompe, un pistolet et un pistolet paralysant. Donc le taser. Alors, donc c'est assez l'armurerie ici. Là, on a l'endroit où on peut se changer, donc où, là où on peut prendre le service et le quitter le service, justement. Ici, alors ici, il me semble que. Voilà, là on peut entrer dans le garage. Au moins, je vous montrerai ça après.
En dessous, on a les cellules. Là où on peut emprisonner. Oui, parce que là où on peut emprisonner les gens. Donc, je vous montrerai peut-être ça après quand on aura arrêté des gens. On peut emprisonner les gens qu'on arrête ici. Donc, ils vont rester pendant tout le jeu. Ici, hein, emprisonnés. Et je trouve que ça rajoute un petit côté RP pas mal. Oula. Donc, il faut que je vous montre. Oui. Alors, il faut savoir aussi que sur ce poste de police-ci, on peut aussi accéder au toit. Et sur le toit, il y a des hélicoptères. J'ai même installé un plugin qui permet de faire des patrouilles en hélicoptère. Donc, j'allais vous montrer ça. Hop, 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 hop. On va y arriver. C'est haut. Alors, encore? Voilà. Accès au toit. Et bien sûr, il n'y a pas d'hélicoptère. Alors, il y en a peut-être un là. Alors, désolé pour les ralentissements. Il n'y en a pas. Bon, c'est pas grave. On redescend. On va y arriver. Donc là, on va tout simplement aller choisir notre véhicule. Je crois que je suis trop descendu, peut-être. Je suis perdu, je crois. Je me suis perdu. Bon, vous savez quoi? On va descendre. Et on va sortir par là. Ah ben non, je ne suis pas perdu, je suis juste là en fait. Juste que j'ai pris le mauvais côté. Donc on va aller prendre notre véhicule. À savoir que je joue avec des véhicules modés. Donc ça va. Voilà, on entre dans le garage. Et on va choisir notre véhicule. Alors ce sont les véhicules disponibles dans le jeu que moi j'ai modé par la suite. Et vous avez dû le voir dans l'introduction, on va pas jouer avec cette voiture, mais avec celle-ci. Donc, la Dodge Charger de 2015 avec un reskin. Donc, je vais vous faire un passage rapide de l'inventaire. Donc là, on a la Ford Crown Victoria de 2011. Donc, la Dodge Charger. Le Ford Interceptor. À savoir que pour chaque véhicule, on peut avoir des extras. C'est-à-dire que là, je peux choisir de mettre les girouans ou pas. Ici, je peux choisir de mettre le pare-buf ou pas. Et ça, je sais plus ce que c'est. C'est une caisse à l'arrière, je crois. Hop. Donc là, celui-là, je ne l'ai pas modifié. La moto. Enfin, la moto. Oui, la moto. Je l'ai modifié aussi. Différents extras, je trouve que c'est vraiment pas mal. Les antennes rendent vraiment bien dans GTA. La police cruiser, donc c'est le shérif. Le SUV de shérif, je vais y arriver, avec une Cadillac. J'ai vraiment bien aimé cette Cadillac, elle est vraiment bien. Je me suis arrangé aussi pour avoir des. Là, j'ai pas mon dessin là. Pour avoir des véhicules qui tiennent bien la route. Parce qu'il faut savoir que le problème avec les véhicules modés, c'est que certains sont pas finis. Donc il y a des problèmes de collision, Il y a des problèmes de quoi de. Au niveau des portes, vous allez voir. Hein. De toute façon, parce que j'ai des véhicules ici qui ne sont pas totalement. Comment dire, bah, étant donné que ce ne sont pas des véhicules du jeu à proprement dit, ils ont des petits problèmes. Donc, ça, c'est la Unmarked Crown Victoria qui a beaucoup d'extra. La Buffalo Unmarked, donc la Buffalo du FBI en fait, ça remplace la Buffalo du FBI. Ça, c'est tout simplement le Police Ranger du FBI. Ça, c'est le Park Ranger, donc c'est les Rangers tout simplement. Celui-là, je l'ai pas modifié. Et l'Hydra, enfin, je l'ai pas modifié non plus. Donc, nous, on va jouer avec. Est-ce qu'on prend l'exemple en extra? La Dodge Charger de 2015. Donc vous avez pu le voir dans l'introduction. C'est avec celle-là qu'on va passer tout l'épisode.
Donc, ben, on va commencer la patrouille, tout simplement. Et on va suivre la route. Alors. Alors, savoir que j'ai installé divers plugins qui peuvent permettre d'ailleurs différentes choses. Alors, on va se permettre de griller le feu rouge pour vous montrer le premier plugin. Et alors, le premier plugin qui bug, bah oui, bien sûr, qui nous permet de checker des plaques. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, là, je check la voiture devant. Qui nous permet de d'appeler un tow truck, donc un véhicule de ramassage, enfin une dépanneuse, voilà, je vais y arriver. Un coroner qui est en fait le coroner, c'est en fait le la morgue. Request pit et traffic backup et request canine, je ne sais pas vraiment ce que c'est. Donc là j'ai pas lu, donc je sais pas si le mec. Alors attendez, on va aller dans info, notification, donc non, il a rien à se reprocher, il a rien à se reprocher, donc on va sortir. Donc j'ai installé tout un tas de plugins qui permettent ici, non, on va y arriver. Ici c'est un plugin qui permet de faire d'arrêter la circulation, de ralentir la circulation. Donc là par exemple, je limite la circulation à 20 km, 32 km heure. Je peux carrément l'arrêter avec un petit contrôle U et un contrôle H pour tout remettre en route. Donc c'est. Ah ben on a une intervention. Donc on va prendre l'intervention et on y va. Donc armed individual. Donc c'est un individu qui est armé et il faut, je suppose, l'arrêter. C'est un peu notre travail. Alors où es-tu? Ah c'est lui. Peut-être. Est-ce que c'est toi? Alors il peut arriver que les plugins, donc que ça doit pas être un plugin de base, bug. Donc on va arrêter la personne. On va lui demander son identification. Hop, j'utilise un autre plugin qui permet d'éviter d'aller dans ma voiture. Donc c'est Whitney Hodge. Non, Hodge. Alors j'espère que j'ai. Hop. Alors Whitney Hodge, tu n'as rien à te reprocher. Bon, il va falloir que je trouve cette personne qui est armée. On va retourner ici. Alors, c'est des armes lourdes déjà, donc Mission Row, donc c'est là où on est. On va couper la sirène parce que c'est quelque peu pénible. Donc faut que je trouve quelqu'un qui est armé d'une arme lourde dans la zone indiquée, dans le rond jaune. Donc c'est plus là. Bah, tout semble indiquer que c'est cette personne en fait. Donc, est-ce que je peux la fouiller? Je sais plus. Alors attendez, j'essaie de lui parler. Voilà. Alors, non, je ne peux pas la fouiller. Alors, vous savez quoi? Ce qu'on va faire, c'est on va l'arrêter. Et si elle a quelque chose, ça va automatiquement être droppé. Pire, je peux la libérer donc. Bon, apparemment c'est pas. Ok. Vous voyez, regardez. Voiture modée et la porte, par exemple, à l'intérieur. À l'extérieur va très bien, mais à l'intérieur n'est pas très bien modélisée. Certaines animations ne le sont pas aussi. Donc on va libérer Whitney Hodge parce qu'elle a rien fait. Allez hop, tu t'en vas. Un coéquipier. Et nous, je ne sais pas du tout où est notre personne armée lourdement. Peut-être ici. Non.
Donc apparemment, première intervention, on sait pas vraiment ce qui se passe. Oula, qu'est-ce qui s'est passé là? Donc l'intervention vient de s'annuler, je ne sais pas pourquoi. Et alors, on va prendre ça. Et on met les gyrophares parce que c'est un code 3. On a un poste de police attaqué. Donc ça, c'est très important. Donc on met, en fait, le code 3, en fait, c'est gyrophare plus sirène. Code 2, c'est seulement les gyrophares. Oula. Alors, on va avancer. Ils ont carrément fait une protection. Il faut que je parle. Ah non. Alors je peux bouger avec l'équipe du SWAT. Hop, donc qu'est-ce qu'on va faire? Alors, j'ai aussi installé un plugin qui me permet de fouiller les véhicules. Alors, je pourrais pas vous dire tous les noms des plugins. Celui-là, il me semble que c'est. Je ne sais plus lequel c'est, bien sûr. Alors, attendez, je ne sais plus quel c'est, désolé. J'en ai installé beaucoup. Donc là, j'ai une nouvelle arme. Et on va bouger avec l'équipe du SWAT. Oh, ou putain. Alors, je sais pas où sont les cibles. Il y en a une là. Une autre là. Alors là, là on tue en fait. Là, c'est pas. Oh là là, putain. Putain, mais il y en a combien? Oh là là. Ça commence bien pour un premier épisode. Il y a déjà plein de corps au sol. Je sais pas où ils sont. Il y en a là. Voilà, lui il est mort. Lui il est mort aussi. Il doit y en avoir un autre là. Deux autres. Allez, on bouge. Merde, j'ai tué un coéquipier. Donc attendez, on va se mettre à couvert. Ce serait pas tout de mourir dès le premier épisode. Oh la vache. C'est envolé. Elle est pas morte. Ok, donc on va déjà appeler un coroner pour. Alors je sais pas pourquoi il bug. On va appeler un coroner pour nettoyer tout ça. Et on va presser and pour fin. Ouais, tout le monde a disparu. On va récupérer les armes. Il y avait du monde quand même. Alors je vais pas la prendre parce que je vais vérifier que. Oh la vache, mais il y avait combien de suspects? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Putain. Ah! Alors ça c'est le coroner. Voilà. Donc je vais mourir. Non. C'est un véhicule add-on, hein. C'est-à-dire que c'est carrément un véhicule que j'ai rajouté dans le jeu, qui n'y est pas de base. Et ça fait partie du mode police radio, avec la radio qu'on voit là et qui est buggée. Il y a un policier qui est mort là. Donc nous, notre voiture, c'est laquelle? Donc on va évacuer ce véhicule parce que c'est pas la mienne. Oui, je souhaite l'évacuer. Oui, il va un peu vite lui. On va prendre. On va le poursuivre. Allez. Bon, je les laisse travailler. Bon, je pense que si je m'éloigne. Alors, c'est lui, c'est ça. Alors, attendez. On va lui demander de s'arrêter. Tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes si tu veux pas. Hop. Allez. Alors, on va mettre une herse devant pour éviter toute mauvaise surprise. Et voilà. Je pense que je l'ai pas bien mise, donc on va la remettre. Non, je l'ai pas encore bien mise. On va y arriver. Oh, on va y arriver. Bonjour monsieur, LSPD. Alors, Hi.
Votre carte d'identité, s'il vous plaît. Alors, on va checker s'il est recherché. Brian Foster. Brian Foster, es-tu recherché? Ta licence est expirée. Alors, licence expirée, on va pas l'arrêter. On va lui mettre une amende de 200$. Hop, allez. On va enlever la herse. Éviter qu'il crève les pneus en partant. Alors 200$, ça peut paraître cher pour... Oula. Touche ma voiture. Fais gaffe, hein. Si tu touches ma voiture, je t'arrête. Une évasion. Alors, est-ce qu'on la prend? On va la prendre. Donc c'est une évasion de prison, apparemment. Qui s'y fout dans le déversoir? Alors, on va enlever ça. C'est pas très conventionnel la route que je prends, mais ça suffira. Il est en voiture. Déjà, apparemment, il est en voiture. Où es-tu, mon petit? Il a carrément un véhicule du. Un véhicule de transport. Ok, alors. Ce qu'on va faire, c'est le poursuivre, arriver à sa hauteur. Oula. Et on va demander du renfort aérien pour éviter de le perdre. Et un coéquipier, ça pourrait être utile pour le bloquer. Alors, est-ce qu'on crève les pneus? On va lui crever les pneus. On va tenter du moins. Alors vous voyez ce que ça fait? Les véhicules modés, ils ont une physique assez spécifique à eux. Ce qui fait qu'ils peuvent s'envoler très vite et très haut. Alors. Il faut le bloquer. Hein. Ouais. Alors les PNJ aussi sont un peu bêtes. Hein. C'est-à-dire que mes coéquipiers vont avoir tendance à me foncer dans dedans. Et je vais essayer de me mettre. Oula. On va essayer de se mettre devant lui pour le bloquer. Allez, allez. Arme réelle. Sors de ton véhicule. Sors du véhicule. Voilà. Mets sur la tête. Et maintenant tu t'allonges. Fais un petit plouf. Allez. Lave-toi parce que t'es sale. Hein. Hop. Voilà. Donc on va demander un transport. Parce que j'ai pas envie d'aller avoir à le ramener en prison moi-même. Et on va demander également une dépanneuse pour ce véhicule. Mais je crois qu'il y a un corps carrément dedans. Ouais, bah oui. Bon, c'est pas grave, c'est pas très grave. Et on va le faire monter dans la voiture. Ah ben non, parce que j'avais demandé un transport. Donc on va pas le faire monter dans la voiture. Putain, t'as vraiment la tête du... T'as vraiment la tête du prisonnier, du tolard. Qu'est-ce qu'il fait? On va lui amener. C'est quoi? Parce que sinon il va bugger. Ah ben bien sûr au moment où j'avance. Allez bon, tu le prends s'il te plaît. Moi je dégage. Hop. Donc on va essayer de retrouver la route de façon convenable. Je crois qu'il y a la dépanneuse qui est totalement buggée. Et elle est en haut là-bas. On va savoir, c'est quelque chose d'assez... Oh, il y a un problème là-bas. Attendez, je crois qu'il y a une sortie par là-bas. C'est un problème avec les véhicules... les véhicules, qu'est-ce que je dis? Est-ce que je peux passer par là? Oui. Je peux passer par là. C'est un problème avec les... Je sais même plus ce que j'étais en train de dire du coup. Il y a un point blanc là et un autre point blanc ici. Ouh, lui il est armé. Alors déjà, on va prendre le taser. Reviens ici. On va le taser. Voilà, tu poses ton arme sur le sol, doucement.
Voilà. Voilà. Maintenant, je t'arrête. Donc lui, je vais le ramener à la prison pour vous montrer en cellule, pour vous montrer comment ça fait. Allez, on retourne. Hop, alors tu montes dans le véhicule. Dépêche-toi. Non, tu vas plus. Bon, c'est pas grave. Voilà. Et on va aller voir l'autre point blanc déjà. Faudrait que je répare mon véhicule. Je vais en profiter pour vous montrer un nouveau plugin. Enfin, un nouveau plugin. Un plugin que j'ai installé qui pourra me permettre de faire ça. Toi, tu viens là, s'il te plaît. Pourquoi tu fuis? Ah, je veux bien, il y a peut-être quelqu'un qui voulait te tuer, mais... Reviens ici! Est-ce que je vais être obligé de le renverser pour qu'il s'arrête? Alors, c'est un peu hardcore, hein? Je vous l'accorde. Et arrête de fuir! Je veux pas te tuer! On va le taser. Ah, bien sûr, si je le loupe, ça va pas le faire. Il est rapide, hein? Reviens ici! Arrête de courir, petit lapin! Hey, les Speedy, arrêtez-vous! Tu t'arrêtes. Tu te mets sur le sol. Doucement. Mais c'est qui, lui? Je vais devoir arrêter 23... Ouh là, putain, on va passer à l'arme réelle. Non, pas ça. Alors, c'est peut-être un peu hardcore. Tu t'arrêtes. Toi aussi, tu t'arrêtes. Putain, merde, j'ai tué les deux. Tu t'arrêtes. Putain, mais c'est qui eux? Alors, on va essayer au moins d'arrêter celui-là. Alors, je vais peut-être changer un jour le... la touche pour activer la lumière du pistolet. Et je sais pas où il est pas. Là, il est toujours sur le sol à l'autre. Donc, du coup, on va demander un véhicule transport pour lui. On va aussi demander des coronaires pour les corps. Parce que j'ai quand même tué des personnes. J'aurais peut-être dû arrêter celui-là avec. Donc lui, on va le garder. On va évacuer ce véhicule. Hop, on évacue. Donc les coronaires, ce sont les points noirs et les tow trucks, donc les dépanneuses, ce sont les points bleus. Points bleus qui sont bien sûr apparus en bas. Il faut savoir, c'est un problème du spawn. Ils ont tendance à spawner à des endroits assez inattendus. On va récupérer. Putain, elle est longue la voiture. Les coronaires qui arrivent. On va aller récupérer la voiture qui est très loin. Qui est très loin. Et je crois que j'ai perdu mon chapeau et mes lunettes. C'est très grave. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Il y a un train qui arrive. Alors. Ok, bon, il s'est téléporté. C'est pas très grave. On dirait que le tow truck est passé. Donc, on va le ramener directement ici. Parce qu'il n'y a que à cette prison-là qu'on peut avoir. On va enlever l'épilepsie. Parce que. Il n'y a qu'à cette prison-là qu'on peut avoir ce que je viens vous montrer. C'est le poste de police le plus développé. Et il n'y a que à celui-là qu'on peut. Donc, mettre les suspects en cellule. Alors, on est bientôt arrivé. Ouais.
assez hard. Voilà. Donc, il faut les faire sortir du véhicule. Ok. Je savais pas qu'on était aussi violent. Je crois que ça m'est déjà arrivé une fois de les tuer en les sortant des véhicules. C'est quand même un comble, mais... Donc tout simplement, j'ai plus qu'à les mettre en cellule en fait. Donc là, on a les glandeurs du coin. Et vous allez en cellule. Allez. Sachant qu'une fois qu'ils sont en cellule, ils peuvent plus en sortir. Hein. Moi, je peux bouger la porte, mais ils peuvent pas. Leur script les en empêche, tout simplement. Allez. Et on va en profiter pour appeler justement. Alors. On va demander un mécanique pour réparer notre beau véhicule qui est juste là. Et on va enlever la sirène, enfin le gyrophare. Alors, bien sûr, il a spawné à un endroit assez inattendu. À l'autre bout de la... Alors bien sûr, comme ils suivent les... bien sûr, il n'est pas passé au bon endroit. Donc on va en appeler un autre. Non, parce que comme ils suivent les routes prédéfinies des PNJ, ils ont tendance à prendre des routes assez bizarres. Donc là, lui, il s'est coincé en haut du pont sûrement là. Ce qui fait que il ne viendra peut-être jamais. Ou alors à pied. Le temps qu'il arrive à pied, il faut qu'il fasse tout le tour. Ok, il s'est téléporté. Ça marche aussi. Donc l'autre, du coup, va me servir à rien. Voilà, on a réparé ma voiture. On va vérifier. Ouais, c'est bon. Bon, donc du coup, bah, on va lui laisser faire son travail. Je n'attendais pas à ce qu'il se téléporte, en fait. C'est dans GTA, quand il y a un problème. Téléportation. Ça marche aussi. Bon. Eh bien, on va s'arrêter là, je pense, tout simplement. On est déjà à 30 minutes d'épisode. On va aller... Pourquoi il me dit qu'un transport est prêt? J'ai pas de prisonnier avec moi. Ok, bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Donc, c'est sur cette magnifique image qu'on va se laisser. Alors, est-ce qu'on prend cette intervention? Je propose qu'on soit des petits foufous et qu'on prenne cette intervention pour clore l'épisode. Ok, donc suspect armé. Il me demande de répondre en code 3, donc c'est bon. La question c'est, est-ce qu'ils sont sur l'autoroute ou est-ce qu'ils sont dessous? Alors ça tire déjà, je pense qu'ils sont... dessus. Alors, je ne sais pas du tout par où je peux monter. Bien sûr, j'ai pris le mauvais endroit. Ils vont tuer tout le monde entre temps. Ah ouais, une voiture modée en plus. Tendance à s'envoler très vite. Je suis en train de faire plus de dégâts que les mecs là vont en faire. Alors, en fait, ils se tuent entre eux, je crois. Donc, ok, on va essayer d'en arrêter au moins un. Voilà, tu poses ton arme. Ah, on va prendre le taser. Voilà, tu poses ton arme. T'as pas d'arme, mais bon. Tu te mets sur le sol. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ok, bon. On va arrêter ces deux-là. Je crois qu'il y a deux corps. Il y a un corps là-bas. Donc eux, on va carrément demander un transport, je vais pas m'embêter à les garder. Il semblerait qu'il y ait plus de... Hop, multi-transport. Et... Non, merde, désolé. Je me suis trompé de touche. Il semblerait qu'il y ait beaucoup de morts.
Donc on va appeler un coroner. Parce qu'il y a trois corps. Deux corps. Deux corps. Ok, et on va appeler une dépanneuse pour. Ah, je me suis trompé. Pour ce véhicule. Alors, je sais pas pourquoi il vise toujours le corps. Messieurs, le call-out est fini. Là. Lui, j'aurais pu l'arrêter. Messieurs, c'est fini. Bon, c'est pas grave, j'ai envie de dire, c'est pas très grave. Alors, bien sûr, la dépanneuse qui spawn à un endroit improbable. Et en contresens en plus. Les coronaires qui ont dû aller à 3000 km plus loin. Alors, ça va savoir que comme elle suit le truc des PNJ, elle va faire tout le tour pour arriver jusque là-bas. Et la voiture despawn, donc elle sert plus trop à grand chose. Ok, alors on a un suspect là. Je sais pas pourquoi on a un suspect ici. Tu sors de ton véhicule. Ah, oui, aïe. Ah, voilà, ça dégénère. Il tue tout le monde. Ah, ils sont armés en plus. On va arrêter la circulation. Arrête la circulation. Voilà. Oh merde. Bon. On va s'arrêter. On va se laisser sur ce carnage. Hein, tout simplement. Non, c'est bon, il est mort. Tu peux le laisser. Donc, si ça vous intéresse que je continue cette série. Ou si tout simplement vous êtes intéressé par, pour que je fasse autre chose que de la stratégie pure et dure. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour dire ce que vous en pensez. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça me fera vraiment plaisir. Ainsi qu'à la partager, hein, si vous avez des gens qui aiment bien, si vous connaissez des gens qui aiment ça. Non, je ne vais pas prendre ce... Je ne prends pas ce call-out. Donc merci d'avoir regardé et à la prochaine.